l'état à Rennes, parce que c'était la rue, l'état à Rennes dans une église. Je suis entré, j'ai parlé avec un prêtre, le père Awan. Et le week-end, j'ai dormi au diocèse. Et il a appelé ici, et le dimanche soir, je suis arrivé ici. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes ici maintenant? Je sais que ça fait, je crois, un mois ou deux que vous êtes là. Plus de mois, ouais. Le 20 décembre, à peu près. La religion. J'étais plus paisible ici. Et je suis mieux que dans la rue. Pour vous, c'est important justement d'avoir une vie avec la foi, avec le Seigneur, avec Jésus. Il y a à peu près deux mois avant, je ne savais pas. Honnêtement, il y a avant, je m'en foutais. Quoi. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Voilà quoi, je ne savais pas que c'était que la vie là. Quoi. Et aujourd'hui, vous qui ne connaissiez pas Jésus, c'est qui pour vous? Un père. C'est Dieu. Quoi. C'est Dieu, c'est. Il est là pour nous. Il faut juste y croire. Vous avez l'impression en venant ici que vous avez trouvé un sens à votre vie? Au début, non. Je suis arrivé ici, je voulais voir et tout. Puis au début, je me disais, mais c'est quoi ici quoi? C'est y a ça à faire, ça, ça. Puis en fin de compte, maintenant, j'habite ici. Quoi. Et avec les gens qui ne sont pas d'avis, ben, moi je le sens d'avis. Quoi. C'est pas trop dur justement de s'adapter quand on vient de la rue comme ça, à une vie où on vit avec d'autres, avec ben, des règles Si, parce qu'il y a le caractère qu'il faut changer, il y a l'ambiance, il y a le monde, il y a les choses à faire, il y a plein de choses. Quoi. Donc, au début, c'était pas évident. Même là. Hein. Même là, c'est toujours pas évident. Mais bon. J'essaie d'avoir le mal en patience, quoi, puis m'apaiser. Et honnêtement, sans Hélène et Antoine, déjà, je serais pas là. Il sera parti déjà et sans Nathalie, il sera parti. Il y a plus d'un mois et demi, j'ai dit à Nathanaël, je m'en vais. On a discuté et je suis un coup de tête et puis en fin de compte, non, parce qu'il m'a dit qu'il ne faut pas partir sur un coup de tête. Et en revenant de la messe des sœurs, j'ai dit je reste parce que tu as raison. C'est comme ça qu'on s'en va. Et donc, c'est pas Père Awan ou Antoine ou Hélène ou même mes frères et sœurs, je ne serai pas outre à ce parti.